Les arbres sont apparus sur la planète voilà plus de 380 millions d'années. Mais que savons-nous d'eux? Ils ont changé le visage des continents. De la roche aride, ils ont fait les terres fertiles que nous connaissons aujourd'hui. Sans se déplacer, l'arbre se nourrit de ce qu'il trouve sur place. Pour vivre et pousser, il absorbe le carbone de l'air, l'eau et l'énergie de la lumière. Il prend sa matière du ciel et en fabrique des feuilles, des branches, des troncs. Il rejette aussi en abondance ce qui a permis l'épanouissement de la diversité de la vie, l'oxygène. Les forêts de la planète abritent plus de la moitié des espèces terrestres. Chaque année, nous découvrons des insectes, des plantes, des gènes inconnus. Une vie dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Notre alimentation, nos remèdes, notre recherche scientifique et technologique dépendent de cette biodiversité. Depuis toujours, l'homme se sert de la forêt pour vivre. Il la transforme, il la détruit. Depuis les débuts de l'agriculture, nous avons détruit la moitié de nos forêts originelles. Notre modèle est celui du toujours plus. Depuis 1950, la population mondiale a été multipliée par près de 3. Notre consommation de viande par plus de 5, celle du papier par 6. Nos outils ont changé d'échelle. Nous coupons les arbres par millions pour produire du soja et de la viande par millions de tonnes. Nous remplaçons la forêt par des plantations d'eucalyptus, plus rentables pour l'industrie papetière, par des palmiers à huile plus rentables pour l'industrie agroalimentaire. Les mangroves, ces forêts littorales, ont encore perdu 20% de leur surface en 30 ans. L'élevage de crevettes et des poissons en est l'une des principales causes. Mais on déforeste aussi pour survivre. 2 milliards de personnes défrichent pour produire du charbon de bois et pour nourrir leurs familles en cultivant sur brûlis. En 60 ans, nous avons dégradé la planète plus rapidement que pendant toute l'histoire de l'humanité. Lorsque les forêts disparaissent, les animaux ne sont pas les seuls menacés. On détruit l'essentiel pour produire le superflu. Mais ce n'est pas une fatalité. Les forêts occupent encore près du tiers de la surface totale des terres. Dans le monde entier, des hommes et des femmes se battent pour leur sauvegarde. Villageois, scientifiques, associations, gouvernements, ils nous alertent et proposent des alternatives. Parce que d'autres choix sont possibles. Parce qu'en comprenant, en éduquant, en informant, nous découvrons que la forêt peut continuer à nous faire vivre si on la regarde autrement. L'arbre est un être vivant que nous apprenons à connaître de mieux en mieux. La moitié de nos médicaments viennent du végétal. Si ces plantes nous apportent les remèdes qui nous guérissent, c'est parce que notre corps sait les reconnaître. Nos cellules parlent le même langage. Nous sommes de la même famille. Les végétaux s'alertent de la présence des parasites et des prédateurs. Sous la terre, les racines forment autant de matière que nous envoyons en surface. Elles créent des réseaux, échangent des signaux électriques, chimiques, organisent des coopérations. Il nous reste tant à découvrir sur l'intelligence du végétal. Savons-nous que les forêts et l'eau forment un couple inséparable? Les forêts filtrent les polluants, les stockent ou les digèrent. Elles sont comme des éponges qui absorbent l'eau pendant les inondations et la restituent en période de sécheresse.
Les forêts sont les mères des pluies. Les arbres transpirent et l'eau absorbée par leurs racines est rejetée sous forme de vapeur d'eau. Ils produisent aussi des substances qui ensemencent les nuages. Et la vapeur se transforme en eau qui coule et qui abreuve. Le végétal met en lien l'eau, l'air, la terre et le soleil. Il est la pierre angulaire de tout le système vivant dont nous dépendons tous aujourd'hui. Les forêts sont les gardiennes du climat. Elles stockent plus de carbone que n'en contient toute l'atmosphère de la Terre. 300 millions de personnes habitent les forêts du monde. 1,6 milliard, soit près d'un humain sur quatre, en dépendent directement pour leur vie quotidienne. Et 7 milliards, c'est-à-dire nous tous, pour l'ensemble des services que la forêt nous rend. Elle fabrique la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, les médicaments qui nous soignent. Regardons la forêt autrement. Nous sommes indissociables. Depuis toujours, nous avons eu besoin d'elle, mais aujourd'hui, c'est elle qui a besoin de nous. Vivons debout comme un grand arbre et fraternellement comme une forêt.